L'extrait des Boys, la populaire franchise qui met en vedette des joueurs d'une ligue de garage. Ils appellent une émission spéciale est enregistrée ce soir pour le 25e anniversaire. Et on a la chance d'avoir accès aux coulisses, les décors qu'on vous présente en primeur parce que cette émission spéciale sera présentée le 17 décembre sur nos ondes. Alors, ce que vous voyez présentement, ce sont les vrais accessoires que l'on retrouvait dans les films. Hein. Le casque, les trophées, vous allez voir sur les murs, mon caméraman va vous présenter ce restaurant de Montréal qu'on a converti littéralement en taverne chez Stan. Ce sont des éléments uniques. Et moi, je me trouve derrière le bar où Michel Charrette va recevoir ses acolytes, hein, ceux qui sont fidèles au poste, prêts au combat. Et vous les connaissez. Donc, dans cette émission spéciale, on retrouvera Patrick Huard, Marc Messier, Yvan Ponton, Rémi Girard et tous les autres. Il y aura plusieurs invités surprises aussi. Vous voyez qu'il y aura un band de maison. C'est Martin Deschamps qui va interpréter les chansons populaires, dont celles que l'on vient tout juste d'entendre. Alors, ce sera un concept pour réunir la nostalgie, les anecdotes. Quel impact ce méga phénomène a eu sur la carrière des comédiens? Je dois dire qu'il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de fébrilité. En tout cas, c'est un moment unique et c'est ce que nous racontait Michel Charrette un peu plus tôt aujourd'hui. C'est vraiment un prétexte pour réunir ces gars-là avec qui... Écoute, les Boys, ça a duré 17, 18, 20 ans, tu comprends? Fait que c'est important d'être là, tout le monde ensemble, juste de se reparler, puis de se retrouver, puis d'avoir du fun. Puis aussi de peut-être montrer des affaires aux gens qui sont pas au courant qui s'est passé pendant les Boys, des anecdotes de tournage, qui s'est passé sur la glace, puis tout ça. Fait que je pense qu'on va avoir bien du fun. Ce sera fait donc sous forme de talk show le 17 décembre. C'est une superbe collaboration entre Comédie A et TVA. Et Michel Charrette me disait qu'il n'y a pas une journée où il ne se fait pas parler de son rôle de Léopold. Comme quoi, 25 ans plus tard, on en parle encore toujours autant. Bien, il va falloir patienter au 17 décembre, par contre. Mais pour ça, il va falloir user de la dureté du mental. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Il y a ici un groupe qui essaie de se préparer mentalement à un important tournoi de hockey.